Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Commencez à partager cette vidéo. Partagez la vidéo. Oui, pourquoi l'être humain tourne dos à son créateur? Commencez à partager la vidéo. Adorons Jésus, adorons mon Dieu. Oh, 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 oh. C'est dans ce boulot. Bolou, de Bazak Blozo. Bolou. Waouh, Baza Glezo, il pense qu'il est Dieu. Son nom c'est Baza et Glezo. Ok, tout à l'heure en direct, tous les voilà. C'est important de copier. Un peu comme au village. C'est important d'offrir les chaussures à sa femme. Merci. Merci. Waouh. Tiens, tes cadeaux. C'est les chaussures. Vous les hommes, là, suivez l'exemple. Hein. Vous suivez l'exemple. Waouh. Suivez l'exemple. Bien encore. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour elle? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Tiens les cardos. Combien de chaussures déjà?
Tiens, mets ça dedans. Qu'est-ce que je ferai pas pour toi, Adidas? Qu'est-ce que je ferai pas pour toi? Merci mon bébé. Tout ça pour moi. Tout ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour toi. Qu'est-ce que je ferai pas pour toi, toi? Merci mon bébé. Qu'est-ce que je ferai pas pour toi? Qu'est-ce que je ferai pas c'est pour gentil, toi? Gentil, merci. Dites merci à mon époux. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai pas pour toi? Tout ça c'est pour toi. Mets ça dans les cartons. Mets ça dans les cartons. Qu'est-ce que je ferai pas pour toi? Mets ça dans les cartons. Ouais. Je fais une surprise. J'allais commander sur internet. J'ai fait la surprise. Qu'est-ce que je ferai pas pour toi? Alors ça. Je fais une surprise, commande sur internet. Et puis, ben, c'est important. C'est combien de chaussures tu as compté, c'est combien? 4. Ouais, 4. Le chiffre, la stabilité. Merci, mon bébé. Je t'aime très, très fort. C'est pareil. Je t'aime beaucoup. Oui, j'aime bien ça. Tu aimes bien ça aussi? Je tenais à vous dire shalom à vous, que Dieu bénisse. J'ai un événement, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer, c'est vraiment très important. Vous savez, la femme est un élément important pour la vie d'un homme. La femme, c'est vraiment quelque chose de très balèze, costaud. Et la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous comprenez? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme, c'est elle qui apporte la stabilité dans la vie d'un homme. La femme, c'est elle qui apporte, n'est-ce pas, beaucoup de bonnes choses dans la vie d'un homme. Et sauf là qu'il faut en prendre soin. Voilà, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de sa femme et tout ça. C'est la femme qui change positivement la vie de l'homme. Voilà, donc on peut en faire des rencontres, mais il y a une femme qui va vous marquer. La femme qui est capable de vous aider dans les moments difficiles, qui peut même traverser les moments difficiles, qui peut vous aider, vous épauler. C'est ça qu'on appelle femme. Parce que la femme, elle est aide, n'est-ce pas? C'est elle qui devient l'aide de l'homme. Et c'est beaucoup très important. Voilà. Et tout à l'heure, tout comme j'ai dit, je vois beaucoup de choses. Et restez à l'écran parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à beaucoup de choses. Vous aurez l'occasion de m'écouter tout à l'heure. Mais dans la vie... Dans la vie, il faut marcher, que ça va, c'est avec qui tu marches. Ça, c'est beaucoup très important. Vous savez, Moïse, à un moment donné de sa vie, quand vous lisez dans Deutéronome le chapitre 14, vous allez comprendre que Moïse, à un moment donné de sa vie, il était entouré des personnes qu'il ne fallait pas. Si vous marchez avec des personnes négatives, leur négativité va influencer votre destinée. Et c'est pour cela que, par moment, Moïse marchait avec les gens. Et quand vous lisez dans le chapitre 14 de Nombre, de verset 1 jusqu'au verset 22, vous comprenez que Moïse a marché avec les gens. Et puis à un moment donné de leur vie, ces personnes vont l'influencer. À cause de leur négativité, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Et ça, c'était vraiment terrible. Ça fait 4 chaussures, c'est ça? 4 chaussures, merci mon bébé. Tu as ça pour combien de temps? Je te ferai encore des surprises. Voilà. Hein? Non, c'est de faire des surprises, bientôt les fêtes, c'est des surprises. Voilà. Et donc, si vous marchez avec les personnes négatives, elles vont influencer votre destinée. Et c'est cela que la Bible dit, Moïse, à un moment donné, il marchait avec des personnes qui étaient très négatives, et ces personnes-là ont influencé négativement sa destinée, n'est pas rentrée. Si vous voulez marcher avec les gens, marchez avec les personnes qui croient en vous, n'est-ce pas? Qui savent, qui croient en vous, qui sont capables de prier pour vous aider à aller très loin. Voilà, pour vous aider à aller très loin. Voilà, donc tout à l'heure, on aura l'occasion de parler de beaucoup de choses. Mais en même temps, pour vous dire, prenez soin, quand vous avez une femme, prenez soin d'elle. Voilà, prenez soin de la femme, aidez-la, n'est-ce pas? Protégez-la. Voilà, protégez-la quand vous découvrez la femme de votre vie, une femme capable de vous se battre, n'est-ce pas? Quels que soient les vents et marées, est capable, n'est-ce pas, de tenir le coup, de vous aider, de vous épauler. Capable de vous dire ça va aller, capable de vous dire ben, priez pour vous soutenir,
ben, vous aussi protégez la femme. C'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. N'est-ce pas? C'est elle qui fait l'homme. L'intérieur de la femme, elle peut avoir une parure, peut-être Miss Monde, excusez-moi, mais si elle n'a pas un caractère, elle n'est pas comme une femme vertueuse, elle va te manger la sauce pour Allah. Implacable. Par contre, si elle est cette femme vertueuse dont parle la Bible, elle serait toujours là sur le point, elle serait toujours en train de t'aider, de te soutenir, de t'amener très loin. Voilà, notre prière, c'est que nous puissions rencontrer des personnes qui pourront nous aider à rentrer dans nos destinées. Et ça, c'est beaucoup très important. Et il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps d'échange. Il faut avoir du temps de beaucoup de choses. Chacun vient avec son caractère dans un couple. Chacun vient avec son caractère. Chacun vient avec sa manière de voir les choses. Chacun vient. Mais en même temps, c'est la communication. Hein, il faut avoir la communication. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir connaître les qualités, les faiblesses. Et en même temps, échanger. Surtout la vérité, il faut être beaucoup véridique dans ce que tu dis. Il faut, même si de temps en temps, des petits pistolets qui sortent de bouche, des femmes, souvent, il y a des petits pistolets, mais vous réglez ça un peu entre vous. Et puis bon, ça va. Voilà, ça va, et puis bon, et puis les choses seraient comme ça. Mais en même temps, beaucoup d'entente, beaucoup de compréhension, et ça, c'est beaucoup très important. Mais c'est la femme qui fait l'homme. Et c'est cela qu'une femme qui veut avoir un foyer, elle doit avoir la maîtrise de soi. D'abord, est-ce que tu es convaincu que le monsieur, c'est pour toi? Si c'est pour toi, il faut savoir prendre. Si ce n'est pas prendre, quelqu'un d'autre va prendre. C'est comme ça. Hein? Quelqu'un d'autre va prendre. Or, une femme qui sait, n'est-ce pas, se tenir, qui sait, n'est-ce pas, se maîtriser face à une situation, qui sait, qui est discrète et qui ne parle pas comme la femme gourou, machi gourou, qui vend goyot, aubergine, tomate, tout ça, et qui est en train de crier. Non, une femme... Elle règle son problème avec Dieu. Elle prend comme Dieu comme confident. Elle compte sur la puissance de Dieu. Elle compte sur son soutien. Voilà. Donc, en même temps, un homme doit aussi avoir cette capacité de pouvoir prendre soin de son époux. Son époux, ça c'est beaucoup très important. Ça, ce sont les secrets. Ça, c'est beaucoup très important. Et en même temps, si vous êtes confronté à des difficultés, je m'avais vous dit une seule chose, c'est, n'est-ce pas, de compter sur Dieu. Et de ne pas rentrer dans les polémiques. Si vous avez une vision, regardez la vision. Ne cherchez pas à rentrer, rentrer dans certaines choses qui vont vous écarter de votre vision. Et ça, c'est beaucoup très important. Voilà, donc comme tous les jeudis, on aura l'occasion tout à l'heure. Voilà, tous les jeudis. Aujourd'hui, j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire un direct, de vous expliquer pas mal de choses. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Commencez à partager la vidéo, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, j'ai plein de choses à vous expliquer. Je rentrerai dans beaucoup de détails tout à l'heure. Mais pour l'heure, comme tous les jeudis, nous avons démarré aujourd'hui. C'est moi qui lance le top départ. Voilà, je pense que Ben fera aussi la sauce jungler la semaine prochaine. Il est au Texas là-bas. Donny aussi fera aussi la sauce bas et moins, ça veut dire la sauce de feuilles de manioc, la sauce grecque. Ben, moi, j'ai décidé de faire la sauce, enfin la gloire. Vous avez dit, mais lui, là, il crée des sauces. Voilà, enfin la gloire. Voilà. Pour vous dire que tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, donc, tout à l'heure, il y a quelque chose de très important. Vous suivez un peu, hein, suivez. Jusqu'à la fin, j'aurai plein de choses à vous expliquer. Mais pour l'heure, prenez un stylo, écrivez, parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Voilà, écrivez, il y a plein de choses à expliquer. On y va. Voilà, on y va parce que... On y va. Voilà, je vous explique les choses. On y va. Voilà, sinon tout va bien, je vous salue. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu répande en montagne sa grâce sur vous, que le Seigneur continue de vous restaurer, que le Seigneur continue de vous bénir. Recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez cette main de Dieu qui vous fortifie encore, qu'elle continue de vous bénir. Suivez un peu ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà. Affaire à Dieu. Voilà. Voilà, nous sommes comme ça dans la cuisine.
Ce soir, c'est MasterChef. Mais à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer beaucoup de soucis. J'aurai l'occasion de vous expliquer pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, lui. Ben, c'est la sauce arachide. Voilà, c'est la sauce arachide. Juste la sauce arachide. Il faut laver les mains. Il faut laver les mains. C'est très important, c'est jamais. Peut-être que tu as mis ton doigt dans les narines. Peut-être que tu as fait. Je ne sais pas où tu as mis après les doigts. Mais il faut laver les mains. Il faut rendre les mains très propres. Préparez de temps en temps ou bien faites la nourriture à votre maison et tout ça. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut essuyer les mains. Je vais faire revenir les poissons. Voilà, c'est très important. Vous allez me dire un peu d'oignon dedans. Voilà, ça c'est du poulet. Du poulet. Vous avez peut-être posé des questions, mais pourquoi tu fais frire le poulet et tout ça? Pourtant, c'est la sauce arachide. Restez à la fin, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer un peu. Donc, faire frire le poulet, je vous rends un peu dur. D'accord? Le poisson aussi, un peu dur. Ok? Prenez un stylo. Voilà, prenez un stylo. Je vais vous apprendre des choses. Voilà, rapidement. Oui, apprenez à cuisiner pour vos épouses, apprenez à cuisiner pour... Et ça, c'est beaucoup très important. Content.
la pâte d'arachide. C'est pas chez Genebou, ma chère. Hein. C'est pas chez Genebou. Jean-Lan, Genebou. Genebou, s'il te plaît. Genebou, non. Ça, c'est dans les boîtes. On n'a pas fait à Genebou. Vous n'avez pas d'ennemis, vous n'allez jamais avancer dans la vie. Voilà, en temps. C'est ça qui est très important. De la sauce arachide. Voilà. Faites ça comme ça. Dans les temps en temps, je rentre dans la cuisine, mais je demande au serveur, excusez, parce que c'est la cuisine. Voilà. Voilà. L'arachide, la pâte, vous tournez comme ça. Comment ça se fait? Voilà, comme ça. Entends, la partie, c'est important. Éviter les choses bizarres. Dans la vie, si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'allez jamais évoluer. Vous comprenez? À un moment, les ennemis sont très utiles dans la marche vers la destinée. C'est pour ça que Dieu a fait traverser Israël. Il y avait beaucoup de soucis dans le désert, il y avait beaucoup d'ennemis. Quand vous regardez un peu l'image d'Israël dans le désert, c'est l'image, n'est-ce pas, de l'Église. Maintenant, dans le désert, il y avait beaucoup, n'est-ce pas, d'ennemis qui attaquent Israël. Si on ne t'attaque pas, tu ne peux jamais être fort. Les ennemis nous aident aussi par moments dans nos destinées, nous aident à aller très loin, et ça, c'est beaucoup très important. Voilà. Voilà, c'est très important. Préparez à la maison, donnez à manger à vos maisons et tout ça. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Hein. Nous sommes des êtres humains. Au-delà de la prophétie, au-delà de chasser les démons, après l'église, il y a une réalité, la grande église, c'est ce qu'il y a à la maison. Voilà, il faut prendre le temps de s'occuper de sa maison, de son épouse, de sa maison, de tout, c'est important. Voilà. Voilà, je suis resté pendant des années seul. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ben d'accord, donc il faut en prendre soin, et ça c'est beaucoup très important. Il faut prendre soin de cette personne, c'est important. Il faut protéger la personne. C'est beaucoup très important, et très important d'ailleurs.
Je ne sais pas si vous notez un peu. Voilà. Du coup, je n'ai pas ma main comme ça. Je vais sur la casserole. Je vais carrément l'enlever au feu. J'enlève carrément la casserole au feu. Fais quelque chose de... Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Regardez, je vous dis, arrêtez toutes les questions dans vos têtes. Regardez seulement à la fin de la chose. Le temps que ça refroidisse un peu. Voilà, et puis, l'hygiène, c'est très important. Je continue parce que je vais revenir encore là-dessus tout à l'heure. Voilà. 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 Et du coup, je reviens de la casserole. Je vais dans la casserole. Voilà. La casserole. Ok, super, voilà, donc je continue, voilà, donc comme ça, allez-y, faites la chose comme ça, continuez. Voilà, continuez de me suivre. Voilà, donc j'étais en train de... Voilà. Ok. Daniel dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? C'est pas la sauce jasmanée, hein? Elle est différente. La sauce jasmanée et cette sauce, c'est la sauce arachide, n'est-ce pas? La sauce arachide. Voilà, c'est la sauce arachide. Daniel dit, mais... Fallait mettre ça dedans, fallait mettre ça là dedans, fallait mettre tel chose dedans. Regardez seulement jusqu'à la fin. Voilà. Regardez seulement jusqu'à la fin. C'est ce qui est plus important. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je jette les os de gombo. Gombo dedans. Gombo frais. Frais à l'intérieur. Je vais continuer de découper ma recette. D'ici là, si ça s'éclate, si ça s'éclate, ça fait comment? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'on mange chez nous en Afrique? Tant que tu n'as pas mangé de piment, parce que chez nous en Afrique, on commence d'abord à te purger d'abord. Ça, des piments rouges, petit piment rouge, quand tu as un an.
2 ans, c'est 2 piments rouges. 3 ans, ça dépend de l'âge. En fonction de l'âge, on commence déjà à t'initier au piment. Et ça, il faut, c'est important de penser à nettoyer. Vous allez me dire, mais attends, comment il fait sa sauce arachide? Regardez seulement, les choses se fonctionnent. Voilà, regardez seulement. Quand ça va commencer à bouillir, je vais commencer à mettre les petits gnani dedans. Confiez-vous à l'Éternel, il est vraiment très important. Si vous traversez les moments difficiles, les plus difficiles, confiez à l'Éternel. Comme je disais, ayez du temps pour vos maisons, ayez du temps pour vous-même, ayez du temps pour votre foyer, ayez du temps pour vos maisons, ça c'est beaucoup très important. La communication dans le foyer, c'est très important. N'est-ce pas? Voilà, c'est très important. Ok? Ça commence à bouillir. N'est-ce pas? Quand ça commence à bouillir comme ça, il y a des choses qu'il faut commencer à faire. D'accord? Tu regardes seulement ce poisson et tu le fous dedans. Voilà, le poisson, tu le fous dedans comme ça. Tu fous le poisson à l'intérieur. Tu le fous à l'intérieur. Les morceaux de viande. Voilà. Attention, ne venez pas en esprit. On vient pas en esprit ici. On vient sous invitation. On vient sous invitation. Voilà, on laisse un peu d'eau. Voilà, c'est important de baisser un peu, juste un peu d'eau. Voilà. Voilà, un peu juste d'eau. Tu as mis tes chaussures? Non, pas encore. Est-ce que tu as aimé tes chaussures? Ah, j'ai aimé, super. Bon, je vais essayer pour te... Le basket, des talons, c'est ça? Des talons, oui. Basket et puis des talons. Dans la vie, il faut savoir avec qui marcher, c'est important. Bien bon, ça va commencer à bouillir, tu comprends? Ça va commencer à bouillir la sauce arachide, tu vois. Ça va bouillir comme ça et puis ben, doucement. Elle est différente de la sauce jasmonienne. La différence c'est quoi? Bon, la différence c'est que avec la sauce jasmonienne, j'ai commencé à mettre de l'eau avant de mettre la pâte d'arachide. Le jus d'arachide, n'est-ce pas? J'ai mis de l'eau et puis j'ai mis les petits trucs dedans. J'ai laissé bouillir un peu avant de mettre le jus d'arachide. Alors, par contre, avec la sauce d'arachide, j'ai mis déjà le jus à l'intérieur pour cuire parce que je vais lancer un peu l'eau totalement. Par contre, l'autre, c'était un peu léger. Il fallait mettre autour du djumblé. Mm-hmm. Voilà, du djumblé à l'intérieur pour rendre ça un peu bien. Voilà. D'accord. Alors, je vous montre la sauce. C'est beau à voir. Oui, c'est comme ça. Et la tomate et les œufs, tu mets. Non, la tomate, c'est ça va attendre juste un peu. La tomate attendra juste un peu. Ça va changer quand ça commence à changer de couleur. Couleur, c'est en train de bouillir, ça va. Quand ça va commencer à changer de couleur, je vais penser maintenant. Donc le beurre, je vais commencer à mettre l'oignon.
On met le nom à l'intérieur, comme ça. D'accord. Le nom comme ça. À l'intérieur. Le nom. Comme ça, à l'intérieur. Bien. Tu vois que c'est. C'est une blancheur. Cette blancheur va commencer à devenir un peu chocolat, cette couleur, dès qu'elle change, il faut y penser directement à mettre la tomate pâte. D'accord. Voilà. Et l'épinard, à quel moment j'apprends aussi? L'épinard, c'est justement un peu, ça va juste attendre un peu. D'accord. On peut mettre comme on peut ne pas mettre la couleur, ça peut attendre un peu. On va essayer de voir si ça peut rentrer ou pas. Déjà, on commence à foncer déjà la tomate. Oui. On fait la petite cuillère. Ah, d'accord, c'est bon. La semaine prochaine, je pense que les gens m'ont reçu la chose aussi. Hein. Voilà. Voilà, tu vois un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà, voici ce que ça va donner. Suivez très bien. Voilà, donc, vous restez comme ça. Continuez de suivre. Normalement, on laisse ça comme ça. Ça va commencer maintenant à bouillir. Voilà. C'est pas comme la sauce arachide où c'est la graine, elle est beaucoup capricieuse. Oui. Ça. Voilà. Et ça, on peut manger ça avec beaucoup. Ça dépend. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez manger. Ouais, les gens, ils mangent ça avec le kabato, ça dépend des régions. Ils mangent ça avec le kabato et d'autres personnes mangent avec du riz comme nous, comme ça. Et puis il y a d'autres personnes qui mangent ça avec le plakali. Voilà, il y a d'autres qui mangent ça avec le plakali, il y a d'autres qui mangent ça avec le kabato et tout ça. Mais je vous dis, au-delà de être homme spirituel, on a aussi, on dit, oh, voilà, il faut prendre soin de sa maison. Il faut rentrer en cuisine, il faut préparer,
il faut prendre soin de son épouse, il faut échanger, il faut parler de beaucoup de choses, il faut s'asseoir, il faut gagner du temps, il faut réfléchir à beaucoup de choses, à l'avenir, et tout ça c'est important. Et la communication est importante aussi dans tout ça. Et puis, il fait des cadeaux, n'est-ce pas? Il faut aussi faire des cadeaux. Il faut faire des cadeaux, des codes. Il faut marquer, c'est important. Il faut toujours séduire son homme et sa femme. C'est important, il faut toujours faire des cadeaux. Voilà, il faut toujours faire des cadeaux. C'est vrai que dans un couple, il peut avoir de remue-ménage, il peut avoir des petits trucs. Mais en même temps, il faut savoir connaître, n'est-ce pas? Maîtriser sa femme, maîtriser l'homme, et puis à un moment donné, il faut chercher, ta femme doit être ton complice, ton mari ton complice, et puis parler de beaucoup de choses, et surtout mettre Dieu au centre de votre vie. Voilà, mettre Dieu au centre de votre vie, parler de beaucoup de choses concernant votre destinée, ça c'est beaucoup très important. Voilà. Viens, voilà, pleure. Voilà, voilà. C'est cette couleur-là, tu vois. Il faut apprendre à affronter les difficultés, n'est-ce pas? Monsieur et madame doivent apprendre à affronter les difficultés. Voilà, très important. Attends que je vienne avec ma Bible. Je vais lire quelque chose qui va aider les gens. Voilà, ma Bible, je vais aider les gens, voilà, dans certaines choses. Voilà, on va aller, on y va dans la parole de Dieu, dans le livre d'Épître, dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, je veux, voilà, dans le livre de Proverbes. Excusez-moi. Proverbe. Voilà, Proverbe. Ouais, Proverbe. Le chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Comprenez, point d'interrogation. Qui peut trouver une femme vertueuse a la plus de valeur que des perles. C'est-à-dire que ce n'est pas la plus de valeur que des bijoux précieux. N'est-ce pas? Non, ça veut dire que c'est l'intérêt qui est plus important. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire que le cœur de son mari croit beaucoup en elle, a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Le verset 12 du Proverbe 31, il dit ici, elle lui fait du bien et non du mal. C'est-à-dire que la femme, elle prend son temps, elle fait du bien à son mari, elle ne fait pas du mal. Voilà, c'est pas toujours attaquer monsieur, attaquer madame. La femme lui fait du bien. Elle réfléchit chaque jour comment faire du bien à son mari, non pas du mal. Voilà. Elle dit, la femme lui fait du bien et non pas du mal. Ok? On y va. On dit quoi? Tous les jours de sa vie. C'est pas dans les fiançailles où vous venez vous rencontrer. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Au fil du temps, vous découvrez l'un l'autre, qui est réellement l'autre. Et puis on s'apporte d'elle. On dit la femme lui fait du bien tous les jours de sa vie. On dit si elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. Donc elle se bat, n'est-ce pas, pour sa maison. Cette femme vertueuse, elle se bat pour sa maison. Voilà. Ce qui est intéressant, je vais vous lire un passage qui est très important pour moi. On dit les instructions aimables sortent de sa bouche. Le verset 29 dit plusieurs filles ont des conduites vertueuses, mais toi tu la surpasses tout. Ça dit que la femme vertueuse dépasse tout le monde, n'est-ce pas? Le fait qu'elle-même elle prend le temps, n'est-ce pas? Voilà, elle dépasse toutes ces femmes. Et donc la femme, elle doit être celle-là qui est une femme vertueuse. Viens voir. Voilà, voici comment la source commence à se présenter. Tu vois? C'est beau. Voilà, c'est comme ça, va commencer à se présenter. Quand elle se présente comme ça, il faut commencer déjà à l'assaisonner. Il faut commencer maintenant à assaisonner la source. Voilà. Il faut commencer à assaisonner la source.
Oh, les hommes, la préparez pour vos femmes. J'ai tellement bien coupé mes ongles que... Il n'est plus temps. Souvent, on s'oublie. Viens voir. Très important cette petite partie de la sauce. Voilà. Troisième. Et puis c'est bon. Les vieilles du village, elles sont dangereuses. Hein. Elles vont te faire des choses très dangereuses. Tu vois cette odeur-là, elle doit disparaître. L'odeur qu'on attend de la sauce. Oui. Tu veux de l'oignon? Non, l'oignon est parti. Je vais remettre l'oignon pour chasser l'odeur. Parce qu'il y a une odeur de l'arachide. Ça doit partir. Il faut chasser ça absolument. Quel mari merveilleux. Il faut chasser l'odeur absolument. Cette odeur, elle doit partir, elle doit disparaître. Elle est forte. Elle est forte, donc il faut la faire disparaître. C'est comme ça, voilà, l'oignon. Moi, je mettrai un peu d'eau. Fais quoi? Je mettrai un peu d'eau. Toi? Oui. Pourquoi? C'est trop lourd? Pour faire cuire un peu, à cause de l'odeur. Mais comme tu es le master chef. Ne t'inquiète. Baby, ne t'inquiète. Viens voir. Si on met de l'eau, ça ne serait pas bon, tu vois. Non, c'est beau. Voilà. Si on met de l'eau, du coup. C'est bon. Voilà. Si on mettait de l'eau, c'était pas bon. Mais en même temps, il faut prendre soin de la cuisine. C'est beaucoup important. Et puis, petite partie. Viens, maman, viens nettoyer toi toi-même, Zadi. Voilà. J'ai préparé. Tu dois aussi arranger la cuisine. Waouh. Excusez. Il faut toujours rendre tout ça la propre. Il ne faut pas laisser ça aller, non. Tiens, tu as commencé, il faut finir. C'est comme ça. Après, dis non, la femme va laver. J'ai préparé, c'est la femme qui va laver après. Non, je suis fatigué. C'est un peu ça. Voilà. Voilà, donc on se bat, c'est ça. Il faut se battre pour sa famille. Il faut se battre pour sa famille, c'est beaucoup très important. Tout ça, c'est important.
comment tu trouves? Tu as vu que l'odeur est partie. Oui. C'est maintenant que je mets du sel. C'est bon, t'as goûté? J'ai goûté. Maintenant, il faut mettre du sel. Moi, je ne mange pas trop salé. Voilà. Tu vois qu'on ne s'est pas encore cuit, hein? Non, parce que je vois la mousse là-dessus. Voilà, c'est même pas encore cuit. C'est des petits caprices bizarres. Tu remets dans ta main ta paume, tu me fais goûter dans ta paume. Oui. Mais pardon, ta langue commence à se brûler. Non. Soupe. Super. Ça va? Ça va. Ça va ou pas? Si, ça va, c'est bon. Comme tu dis. Non, c'est bon, mais tu sais bien que c'est pas ma sauce préférée. Ah. J'aime pas trop la sauce à la chine. Mais tu as mis la sauce jasmonée quand même. Oui, j'ai aimé, mais j'ai préféré la sauce. Braille par rapport à la sauce. Ouais. Franchement. Ouais, donc c'est ça, il faut préparer à la maison, il faut se faire du bien. Un Mario complet. Faut pas seulement que chasser les démons. Voilà. Donc j'invite tous les enfants spirituels. Mais n'hésitez pas dans le prophète, comme le prophète, il prépare maintenant et cuisine, donc vous et vous. Vous devez aller à la cuisine. Non, il faut aller doucement. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Hein? Ah, il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Il faut aller doucement. Tu peux même apprendre. Les femmes aussi pouvaient apprendre à cuisiner à vos épouses. Vos époux plutôt. Voilà. Maintenant, ça va avec la cuisson. Oui, tu vois. Voilà. Tu as baissé ton feu? Non. Pour que ça cuit un petit feu. De temps en temps prendre. Ça c'était la sauce, c'est la sauce arachide. La sauce arachide. Viens voir. Je mets les narines de la sauce. Ah, les narines de la sauce. Trop beau. Bisous, chérie. Le meilleur mari du monde. Tu es la meilleure femme aussi. Hein. Voilà, là, ça commence à cuire. Là. Là, c'est RAS. Et on part avec la cuisson. Indifférente, c'est la mousse là, viens voir. Tu vois? Viens voir, viens voir. C'est pas encore cuit, tu vois? C'est, c'est pas encore cuit, on va juste fermer. Fermer? Oui, on ne ferme pas, mais on va essayer de. Enfin, tu vois, c'est pas encore cuit. Il laisse un petit feu, mon cœur. Ouais. Ça va cuire normalement, petit comme ça, tu vois? Regarde ton huile qui commence à apparaître tout à l'heure. Voilà, c'est l'huile là, voilà. Qui va commencer à apparaître doucement. Attends, je vais t'arranger ça. Doucement, doucement. Voilà, petit à petit, ça va venir. Ça va venir. Et c'est comme ça la sauce arachide. Tu me donnes ta recette après alors? Ah, ouais, pas de souci. Pas de souci. On attend les autres pour nous faire des sauces. Tant que d'autres personnes nous fassent des grandes sauces. Des grandes sauces, ça c'est important. Voilà, tu vois, l'huile là c'est important, l'huile va commencer ça à apparaître. Ça commence à venir. Doucement, doucement. Ça commence. Sur les bords là. Ouais. Ça va venir. T'as bien dosé ton feu, donc c'est bon.
prophète cuisine. Mais oui, c'est important d'être dans la cuisine de temps en temps, de faire la cuisine. À part chasser les démons, à part certaines choses, ben, nous sommes des êtres humains. Il faut prendre soin de sa maison, il faut faire plaisir à son épouse, n'est-ce pas? Il faut l'aider, il faut la mettre à l'aise. Quand une femme est heureuse, elle se bat pour son mari. Voilà, il faut rendre les femmes heureuses. C'est vrai que de temps en temps, elles sont capricieuses. Mais elles sont nos mamans, les femmes, elles sont nos mamans. Elles sont nos mamans, il faut rendre les femmes heureuses, il faut échanger. Il faut faire plaisir à sa femme, son épouse, c'est la communication. Il faut savoir changer avec son épouse, il faut savoir parler, dire des choses, n'est-ce pas? Et ça, c'est beaucoup très important. Voilà, c'est très très important. La communication dans le foyer, c'est très important. Il faut savoir communiquer, n'est-ce pas? Il faut savoir, n'est-ce pas, avoir la patience, n'est-ce pas? Il faut se mettre les mains dans la main pour prier, pour réclamer toute la grâce de Dieu. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Voilà, elle va maintenant vers la cuisson, la sauce. Tu vois? Voilà. Elle est en train d'aller juste la cuisson. Oui, voilà, ça. Voilà, quand ça commence à aller comme ça, ça veut dire ça commence à aller. Mon cousin, la question, mais il mangera ça avec quoi? Moi, c'est ça, c'est le riz ou rien. Voilà. Voilà. Je pense que ça va là. Je vais goûter. Il y a un monsieur Joseph Kwame, il dit ce que les lions savent pas, c'est que le prophète lui a fait des coups pour pouvoir connaître la cuisine. Avant, il a fait des coups. Comment il a fait des coups? Il a fait des études pour ça. Waouh, super. Donne super. Champion, regarde. Il n'a qu'à regarder, monsieur. Ton banouin, c'est bientôt. Donne ton banouin, c'est bientôt. Ton banouin, c'est très bientôt le banouin. Chacun aura son tour. Voilà, ça va avec la cuisson. Super. On est plutôt loin de la cuisson maintenant. Voilà, j'ai dit toujours quand ça va cuire. Oui. Ça se débat comme ça. Voilà. Oui. Voilà. Je l'ai dit, il est en retard. Voilà. Et voilà la sauce. C'est la sauce arachide. Et voilà, c'est la sauce arachide. Viens, hein, confirme. C'est cuit ou pas? Là, on tend vers la cuisson, il reste un peu. Juste on attend peu. Que. La petite mousse finisse et puis après c'est bon. Hein. Ah, bien. Un homme de juré. Super bébé. Tu es le meilleur mari. Tu es la meilleure époux. Tu vois. Toutes les qualités, cuisine bien. Aïdara, très bientôt, tu vas faire le sioko. Cindy, vous êtes calée en cuisine, bravo. Ah oui, il est calé, hein, ici. Très bientôt. Il y a un Mac entre nous deux. Il y a un match. Donny, tu dois faire la cuisine, le bain, ouais. Ça va se mouiller. On attend qu'Aïdara fait le sioko. Et on attend que Ben Sako fasse le. Bon, le voilà. Moi, je vais faire le tikliti.
Je vais chercher les feuilles de Tikliti au château rouge et puis venir faire la sauce Tikliti. Mais pour dire, il faut préparer, il faut faire plaisir à son épouse. Fais plaisir, s'il te plaît. Il dit, les prêtres, la sauce Sioko. C'est vous qui on appelle Sioko chez nous. Oui, je suis prêt. Tu es déjà prêt. Il faut filmer, hein. Pour nous monter la recette. Ouais, Shalom. Donc, il faut préparer pour son épouse. Il faut faire les trucs, tu vois. Et puis, il faut faire des cadeaux. Merci, mon bébé. Oui, c'est important, il faut faire cadeau. Non, c'est ce que je vais montrer. On fait une surprise. Il faut faire des cadeaux à son épouse. Il faut faire des cadeaux, des surprises. Il faut faire des cadeaux. Voilà. Il faut faire des cadeaux. Tu check sur Internet. Ici, heureusement, il y a l'Internet. Donc, je suis allé, n'est-ce pas? Alors, je vais présenter mes cadeaux. Bon, elle va vous présenter les... Ok, chérie, je te remercie. Donc là, je viens d'avoir une surprise. Mon chéri m'a offert des chaussures. Donc, Ça, c'est un. Ça, c'est un cadeau. Mmh. Je fais une surprise. Ça dit Dasnia, tes pieds, là, mais c'est petit aussi. C'est elle, c'est chaussures de pieds. Je fais une surprise. C'est les pieds de femme. Les pieds de femme. Voilà. Adidas. Tu sais bien que quand j'ai des cadeaux, je suis heureuse. J'aime bien quand. J'aime bien les. Des cadeaux. Les cadeaux. Ah, alors j'aime bien. Voilà, deux paires de tennis. Faut faire des cadeaux à sa femme. Et ça, c'est mes préférés. Ouais. Trop beau. Ça, tu donnes ça aux yeux au village à tomber. J'aime bien. Voilà. Et. Les cadeaux. Voilà, les bottes d'hiver, bien beau, j'aime bien ça, j'aime bien la couleur. J'aime bien ça aussi. Ah, j'aime bien changer. Tu es un amour, je t'aime. Pourquoi tu rigoles? Oui, parce que ça fait du bien. Faites des cadeaux, faites des cadeaux à vos épouses. Commencez à préparer, faire des surprises en semaine, ça fait deux semaines. Merci à mon époux, je suis gâtée. J'aime bien quand on m'achète des choses, chérie. J'aime bien ça. Tu le mérites. Merci. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Ah ben, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, il y a des surprises. Hein. Ouais. Voilà, comme je disais, le jour... Ben, il faut faire des cadeaux à sa femme. Il faut faire des cadeaux à son épouse. Il faut faire du cadeau. Regardez comment elle ramasse tout. Regardez sa main. Wow. Tu es heureuse ou pas? Très, très heureuse. J'adore quand on m'achète des choses. J'aime bien. Voilà. Mais tu es remplie. Merci, mon cœur. Je t'aime très, très fort. Encore et encore. Voilà, donc faites des cadeaux. Faites des cadeaux. Tu le mérites parce que tu as un bon cœur. Voilà, tu me l'as prouvé. A plus B, tu as un bon cœur. Donc, faites des cadeaux à vos épouses. Prenez soin de vos épouses. De temps en temps, faites-les nettoyer dans les oreilles. Pour être honnête. Essayez de masser vos épouses. Prenez de l'eau dans un seau. Vous mettez la serviette à l'intérieur. Vous pressez. Vous l'appuyez. Vous la massez. Et puis accordez un bout de temps à votre épouse, parlez avec elle, parlez de beaucoup de choses, parlez de votre avenir. Tout ça, c'est important. Vous comprenez? Parlez. La communication est beaucoup importante en matière de couple, la communication. Parlez avec elle, l'épargne, des cadeaux, des surprises chaque deux semaines. Vous parlez avec elle. Voilà, vous échangez, vous parlez beaucoup de choses. Vivez votre vie de couple. Le reste, ça ne vous intéresse pas. Vivez votre vie de couple, soyez heureux. Voilà. Soyez heureux et vivez votre vie de couple. Je prie que Dieu vous donne la meilleure femme. Que Dieu vous donne la meilleure épouse. Que Dieu vous donne le meilleur mari.
Une femme qui vous démontre A plus B, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les attaques, la personne qui restera avec vous. Parce que quand le vent souffle, c'est les feuilles mortes qui tombent. Quand tu auras la tempête, les difficultés les plus terribles de ta vie, les hommes qui faisaient semblant de t'aimer vont partir. Au contraire, ils se mettront aux côtés de tes détracteurs pour t'attaquer. Mais les bonnes personnes qui t'ont vraiment aimé resteront. Elles seront toujours là, prêtes à t'aider à traverser les moments difficiles. Que Dieu vous donne ces personnes dans vos vies et que vous rencontrez des personnes qu'il faut afin de pouvoir vous aider. C'est l'homme qui fait l'homme. Jésus-Christ, il n'a pas que lui seul fait le ministère. Il a été soutenu. J'aime bien mes ennemis. Parce que les ennemis, vous voyez, vos ennemis vous aident à aller très loin. Vos ennemis aussi vous aident aussi à améliorer vos vies. Vos ennemis vous aident à aller très loin. Si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'irez pas loin. Voilà, vous n'irez pas loin. Mais dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il faut par moments fermer l'oreille à tout ce que vous entendez sur vous. Vivez votre vie sans stress. Soyez naturel. Et continuez de vivre votre vie. Parce que c'est plus important pour vous, c'est la destinée qui est plus importante. Voilà. La Bible dit que c'est la fin qui compte plus, le plus. Oui, la personne sur laquelle on peut compter, merci Marley. La femme est la personne, oui. Vous vivez, la personne sur laquelle on peut compter. Ben, la difficulté, et puis la personne en s'en va. Elle se met aux côtés de vos détracteurs, tu réfléchis, tu dis, mais attends, donc ça veut dire que la personne ne m'a jamais aimé. Elle faisait celui semblant alors. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était ça. Je vous ai donné l'exemple. J'ai l'habitude de faire. Préparez pour vos épouses. Soutenez vos épouses. Aimez vos épouses. Protégez vos épouses. Aimez-les. Aimez vos épouses. Mes condoléances à Christian. Aimez vos épouses. Soutenez vos épouses dans les moments les plus difficiles. Aimez-les. La Bible dit que homme aime ta femme. D'accord? Homme aime ta femme. Et femme soit soumise. Mais l'homme doit manifester l'amour pour son épouse. Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, top départ, j'ai fait la sauce arachide. C'est différent, elle est différente de la sauce jasmanienne. Je viens de boucler ma sauce arachide. C'est beau. Je laisse mettre dans les narines, comme ça, on va regarder. Voilà, je viens de finir la sauce arachide. Voilà. Je m'excuse pour ceux qui ont été tentés en voyant la sauce. Ceux qui ont été tentés, vous la sortie. Venez en esprit, faites sur vous. Parce qu'il y a des gens qui ont vu la sauce qui voulaient sortir. Ce n'est pas du corps. Ne venez pas ici en esprit. Je vous aime, mais ne venez pas en esprit ici. Si vous venez en esprit ici, à Guagounion, vous attachez. Attachez, attachez, attachez. Je suis de tout cœur avec vous, que Dieu bénisse. Donc je viens de boucler ma sauce arachide. On attend Aïdara à faire la sauce Choco. On attend Donny faire la sauce Bangwen. Soit Donny dit les végétariens. En plus, le régime. Oui, parce que tu allais dire que je suis en gêne sec. Pour 3 mois, gêne sec. Quel régime? Je fais gâteau là. Ah. Oui, la femme fait le bonheur d'un homme, oui, si, 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 si. Ouais. Elle est vraiment une force pour moi, hein. Elle m'aide trop. Avec tout ce que je vis, avec des attaques par ici, par là, elle me réconforte.
Elle m'encourage, c'est beaucoup très important. Bon, Donnie, même si tu es végétarien, que tu es au régime, mais au moins tu peux préparer. Tes mains ne sont pas au régime. Tes yeux ne sont pas au régime. Donc tu peux aller faire la sauce et puis donner à la maison pour manger. C'est important, il faut que la maison mange. Ben Sabou doit nous faire. Voilà, c'est important. C'est prêt maintenant. Voilà. Ah. Marchez les gens, si qui vous pouvez compter. Ne vous trompez pas. Les gens qui aiment aller dans le restaurant manger. Marchez avec les gens, si qui vous pouvez compter. Qui vont vous apporter une surprise agréable. Pas désagréable, qui seront toujours là pour vous, qui seront toujours prêts pour vous, qui vont vous aider dans les moments les plus difficiles de votre vie, qui vont vous soutenir, qui paieront le prix pour vous. C'est là la bonne femme. Voilà, c'est là la bonne femme. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, son homme. Oui, il faut faire la femme, celle qui est prête à payer le prix. L'homme aussi est prêt à produire de la joie dans le cœur de son épouse. Oui, il faut l'aider, il faut l'écouter, il faut écouter sa femme. Chérie, si tu veux même lui imposer quelque chose, mais avec diplomatie. Il faut aller doucement avec diplomatie. Et puis, et si elle n'aime pas les choses, mais pour amener ta femme à comprendre, il faut aller doucement avec beaucoup de diplomatie aussi. Et puis, vous allez comprendre. Ne faisons pas comme nos papas au Moyen-Âge, qui étaient dans la jungle, dans l'Amazonie, en train de crier. La femme là, si tu sais la prendre, elle ira très loin avec toi. C'est la femme qui change l'homme. On dit c'est une bonne femme qui fait un bon mari. Voilà. Tu m'as aidé aujourd'hui, mon ventre est parti. Je pèse aujourd'hui. J'ai fait maintenant 35 kilos, hein, 85. 85 kilos. Oui. 85 kilos. On dit, papa, tu ressembles à nos pères au village. Ah, vos pères, mais vos pères au village, lui, il frappe aussi. Oh, non, on ne frappe pas. Il dit, il ressemble à vos papas au village. Merci beaucoup. Je fais maintenant 85 kilos. C'est bon. 85 kilos. Marchez avec les personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Sinon, si vous êtes trompé, ils vont vous montrer qui a mis gluant dans Gombo. C'est qui a mis gluant dans Gombo, ils vont vous montrer ça. C'est qui a rigondé Gombo, gluant, ils vont vous montrer. Voilà, maintenant tu as vu, non, l'huile elle sort sur le feu. Là, c'est bon, là, c'est trop bien. Maintenant, c'est cuit. Bravo, mon c'est bébé cuit. À moi, tu cuisines bien. Voilà, il y a maintenant de l'huile là-dessus. Voilà, si vous marchez pas les gens sur lesquels vous pouvez compter, la personne va vous montrer qui a mis gluant dans Gombo. Ce qui a rendu Gombo gluant. Tu vas rendre témoignage de ça. Voilà, dans de temps en temps, gâteaux, je vais faire. La recette des gâteaux. Oui. Non, moi, je ne suis pas dans feu de gâteau. Je suis dans sauce et puis je mange. Non, je vais faire. C'est pour te dire que j'ai la recette. Bon, c'est fini, c'est prêt là. Vous avez mis le riz. Bon, on avait déjà fait le riz. Hein. Oui. Pour le riz, c'était déjà prêt. Je te sers à manger. Oui, c'est moi à manger mon jarro. Non. Il n'y a pas de soucis, chérie. Ok. Ben, laissez-nous manger. Je vous souhaite excellent début de semaine. C'est là? Fin de semaine. Fin de semaine. Hein? Fin de semaine.
Voilà, cette partie-là aujourd'hui, laissez-moi manger seul. Je peux filmer. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, soyez bénis. Voilà, donc, je vous ai montré, vous pouvez regarder au début de la vidéo. Voilà comment j'ai préparé la sauce arachide. Voilà. Pour vous dire, ce n'est pas que chasser son manque de démons. Non, il faut prendre soin de sa maison, il faut écouter sa femme, il faut prendre. C'est vrai que on est occupé par le ministère, par tout ça, mais j'ai dit que le jour où j'aurai ma femme dans ma vie, je me battrai pour cette dame. Les invités, c'est tête à tête. Sinon, les invités qui veulent venir en esprit, n'est pas le bienvenu. Nous allons vous amener le feu sur vous. Voilà. Maintenant, la vassie est en train de servir. Et ça, c'est très important. Waouh, vous voyez, vous cuisinez. Et puis, vous voyez votre femme qui est en train de vous servir. Wow. Je suis en train de mettre le gratin. Le gratin. Sinon, il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas à manger ici. Il n'y a pas à manger. Voilà. S'il n'y a pas de gratin, Atia, je ne mangeais pas. Les sales habitudes, mais on fait comment? Tu peux rien gratter ou tu peux rien. Hmm? Je te mets juste un peu de riz et plus de gratin. Hmm? Ça va comme ça, je vais chauffer. Hmm? Non, non, la sauce elle est déjà chaude. Tu vas manger comme ça? Oui, je vais manger comme ça. Ok. Donc, voici ma nourriture, voici préparée. Je viens de finir ma sauce. Voilà, donc, je vais laisser la brigadière Viviane continuer son direct. Et puis, laissez-moi. Qu'est-ce qu'on dit? On dit manger ou déguster? Manger. Mm-hmm. Non, je préfère manger. Manger. Ben, déguster, ça fait pitié. Or, manger, c'est beaucoup. Alors, pourquoi tu... Voilà, l'Éternel est fidèle, l'Éternel est bon. Voilà, l'Éternel est bon. Voilà. Toute ma vie, moi, je ne suis pas là pour combattre les gens. Je suis là pour aider. Je suis le genre à aider les gens. Je ne m'attelle pas, c'est des conneries. Voilà. Dans la vie, quand tu ne combats pas, elle dit déguster. Mais je préfère manger. Manger. Manger, ben oui, c'est ma manger. Garo. Voilà, c'est joli. C'est beau à voir, non? Voici la fameuse sauce. Amour, amour. Ça va aller? C'est bon? Ça va aller. Pas que les gens vont me dire, ah, le monsieur il a dit qu'il était au régime, qu'est-ce qu'il fout elle? Mais t'as pas mangé depuis ce matin? En plus, ouais. Manger, non pas déguster. Oui, non pas déguster. Déguster, ça va être petit. Déguster. Shalom à vous, que Dieu bénisse. À très bientôt. Oui, nous, on mange. Shalom.